Nous sommes sur le site de Saint-Papoul, la carrière terréale qui alimente les 7 usines du Sud. Cette carrière a été ouverte dans les années 30 et elle s'étend sur une superficie de 260 hectares. Sa particularité, c'est qu'elle dispose de 55 couches d'argile différentes, ce qui permet de répondre aux exigences propres à chaque usine et à chaque type de produit. Tuiles, éléments de bardage, briques ou décorations. Après reconnaissance du terrain par des sondages, les couches non utilisables sont retirées et déposées sur les anciennes zones d'exploitation afin de reconstituer un paysage naturel en colline. L'exploitation consiste à extraire chaque couche de façon indépendante. Pour effectuer cette extraction, on utilise des véhicules appelés scrappers qui, en une seule opération, extraient la terre et la chargent dans la benne. Cette terre est ensuite stockée dans d'immenses hangars. Elle est reprise plus tard pour constituer des ensembles composés d'un mélange de différentes couches correspondant aux besoins de chaque usine. Un bulle chargeur assure l'approvisionnement des camions. Lors du chargement, on s'assure de prendre l'intégralité des couches afin d'avoir un mélange homogène. La carrière de Saint-Papoul fournit 450 000 tonnes de terre par an, soit 75 km² couvertes en tuiles canal, soit l'équivalent de la surface de Belle-Île.